les tonnes récoltées en principauté, c'est 28 000 tonnes d'ordures ménagères, c'est 850 tonnes de carton, 850 tonnes également d'emballage ménager et 1 700 tonnes de verre. La mise en place a été demandée bien sûr par le gouvernement princier pour retirer le nombre incalculable de conteneurs qui étaient disséminés sur la principauté. Il est discret, il est accessible à tout le monde, il n'y a pas de carte, hein, c'est un accès libre. Hein. Ici, sur ce point-là, il est mis sur le port, c'est un point propre qui a été mis exclusivement, il est réservé vraiment aux usagers du port, donc tout ce qui est plaisancier. Il y a des points d'ordures ménagères, d'emballage ménager, carton, tout ce qui est batterie aussi, huile aussi, vous avez vu, je pense qu'on est les seuls à avoir ce système enterré aussi. Voilà, c'est le petit plus. Nous, on a l'habitude aussi de travailler avec des cuves de 4 mètres cubes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le modifier. L'éco-bac, ce qui est bien, c'est qu'il est moins profond. Donc, on peut l'adapter dans des endroits où les réseaux sont bien plus bas.